Bonjour, nous allons apprendre à écrire en attaché les lettres combinées. Ce sont les lettres un peu difficiles qui ont plusieurs choses dans leur tracé. S, X, R, Z. On commence avec la lettre S. Écoute, la lettre S a les pieds sur terre, elle ne dépasse jamais l'herbe. Je trace une pointe qui monte jusqu'à la ligne verte de l'herbe, puis je referme le ventre de la lettre S avec une petite bosse. Regarde. Écoute et regarde. Je trace une pointe qui monte jusqu'à la ligne verte de l'herbe. Puis, je referme le ventre de la lettre S avec une bosse. Maintenant, nous allons écrire la lettre X. Écoute. La lettre X a les pieds sur terre, elle ne dépasse jamais l'herbe. Pour écrire la lettre X, je vais m'aider de la lettre C. Je trace un C à l'envers, puis je lève mon crayon et je trace un C à l'endroit. Regarde. Écoute et regarde. Pour écrire la lettre X, je mets de la lettre C. Un C à l'envers, je lève mon crayon. Un C à l'endroit. Maintenant, nous allons écrire la lettre R. Écoute. La lettre R a les pieds sur terre, elle ne dépasse jamais l'herbe. Je trace une pointe qui monte jusqu'à la ligne verte de l'herbe. En haut de la pointe, je trace un trait un peu bossu. Puis, à la fin du trait, je trace un trait qui descend jusqu'à la ligne marron avec une queue à la fin. Regarde. Écoute et regarde. Je trace une pointe qui monte jusqu'à la ligne verte, puis en haut de la pointe, je trace un trait un peu bossu jusqu'à la ligne verte. Puis, je trace un trait qui descend jusqu'à la ligne marron avec une queue. Maintenant, nous terminons avec la lettre Z. Écoute, la lettre Z a une boucle, elle va descendre jusqu'à la ligne rouge. Pour écrire la lettre Z, je vais m'aider de la lettre R. Je trace la lettre R sans la queue. Puis, sur la ligne marron, je trace une boucle un peu bossu qui descend jusqu'à la ligne rouge. Je remonte pour terminer la boucle et je trace une queue. Regarde. Écoute et regarde. Pour écrire la lettre Z, je vais m'aider de la lettre R. Je trace la lettre R sans la queue, donc je fais une pointe jusqu'à la ligne verte. Ensuite, je fais un trait un peu bossu, puis je trace un trait qui descend. Je ne fais pas la queue. Maintenant, je vais faire une boucle un peu bossu qui descend jusqu'à la ligne rouge. Je remonte pour terminer ma boucle et à la ligne marron, je fais une queue. Maintenant, tu sais écrire les lettres combinées qui sont un peu difficiles car il faut écrire plusieurs choses. S, X, R, Z. C'était la dernière vidéo pour apprendre à écrire les lettres en écriture cursive, ça veut dire en attaché. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.